Le danger peut aussi voilà, venir de certaines structures profondes. Je parlais tout à l'heure du septum, avec la possibilité donc, de ptosis en atteignant un muscle vraiment supérieur. Voilà donc un cas de ptosis sur cette représentation. La glande lacrymale aussi, ça dépend quand on va devoir injecter la patte d'oie, il faut obligatoirement orienter l'aiguille vers l'extérieur 1 cm en dehors du bonbon orbitaire. Sinon, ce point d'injection, s'il est trop médialisé, on risque d'atteindre la glande lacrymale située au niveau de l'angle supralatéral de l'orbite, avec comme conséquence voilà, un œil sec.